se retrouve pour une nouvelle vidéo matérielle, du coup présentation matérielle. Cette fois-ci, ça sera plus axé sur mon aquarelle. Donc j'ai pas mal de palettes d'aquarelle que j'utilise vraiment très 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 souvent. C'est vrai que dans l'écolo, j'adore utiliser l'aquarelle pour les fonds, les ciels, voire même des fois des petites choses comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez, il y a plein de palettes. Donc je vais commencer par la plus grande. Hop. Puis comme ça, je vais vous donner mon avis à chaque fois. Donc là-dedans, j'ai mis les pastels nacrés de chez Action. Hop. Donc voilà le nuancier. Alors, c'est pas la lumière du jour que vous voyez parce que je vous filme en soirée. Mais on voit quand même qu'elle brille pas mal. Donc je crois que il me manque peut-être le set de verre, mais je ne l'ai pas vu en magasin. Donc bon. Voilà, alors je les aime beaucoup. Elles sont vraiment pas mal pigmentées. Elles brillent beaucoup, comme vous pouvez le voir. Je vous montrerai après des colos où j'ai utilisé les aquarelles. Et franchement, j'adore. Elles sont vraiment top. Par comparaison, moi j'ai également la Paul Rubens. J'ai une petite parce que l'aquarelle nacrée, en fait, pour moi, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir 36 teintes. Enfin, 36 000 teintes, quoi, parce que c'est pas quelque chose que j'utilise dans tout un colo. Je vais mettre des petites touches par-ci, par-là. Alors, quelques teintes de différentes couleurs me suffisent, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris la grande palette de Paul Rubens. Parce que j'en voyais pas forcément l'intérêt pour moi. Donc, voilà le nuancier. Et franchement, elles sont vraiment comparables à celles d'Action. Et encore, je trouve qu'elles brillent moins que celles d'Action. Donc, vous voyez. Donc là, j'ai 12 godets. Hop. Elles sont pas mal. Mais franchement, elles ont. Enfin, celles d'Action, elles sont quasi similaires. Hein, franchement. Alors, elles sont peut-être plus pailletées que métalliques. Du coup. À la différence, peut-être, des Actions. Et encore, si on compare bien. Hop. Quand on compare, franchement. Donc voilà, donc pour moi franchement j'ai pas l'utilité d'avoir la boîte de 48 teintes ou plein de palettes d'aquarelles nacrées parce que vraiment c'est quelque chose que je mets en petite touche, je vais pas faire tout un colo à l'aquarelle nacrée. Donc voilà, et d'ailleurs si vous êtes un peu comme moi je vous conseille de pas forcément mettre très cher, celles d'Action sont très bien, si vous voulez après une palette un peu plus rigide parce qu'elles sont vendues dans un petit set en plastique, moi je les ai mis dans une boîte. Mais sinon, je vous conseille la Paul Rubens qui est vraiment pas mal. Après, j'en ai pas d'autres, donc je peux pas vous donner d'autres comparatifs. Mais elles sont vraiment pas mal. Donc voilà pour tout ce qui est aquarelle nacrée. C'est tout ce que j'ai. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, dans une autre petite boîte, j'ai mis des aquarelles que j'achète à l'unité. Donc pour l'instant j'en ai que 3. Donc j'ai le 705 gris chaud de chez Sennelier. Donc c'est une aquarelle qui m'a été conseillée par Julie Nueva. Et franchement je suis trop contente de l'avoir. C'est vraiment un très bon conseil qu'elle m'a donné, qu'elle nous a donné parce qu'elle le dit très souvent. C'est une teinte très neutre qui passe partout. Je vous montrerai un colo que j'ai fait avec. Et franchement, elle est top, top, top. Cette aquarelle est top. J'adore Sennelier en plus. Donc voilà, c'est grave cool. Et ensuite, j'ai deux petites teintes de Van Gogh Crépuscule. Donc j'ai le violet et le vert. Et pareil, j'adore. Alors, j'ai pas encore utilisé le violet. Mais je me suis servi du vert. Je vous montrerai le colo que j'ai fait avec. Je pense que vous l'avez sûrement vu si vous me suivez dans mes vidéos. Mais le vert est vraiment très chouette. Et en fait, on peut vraiment faire juste avec une couleur crépuscule, faire des effets vraiment très sympas, sans pour cela rajouter d'autres couleurs. Donc vraiment, elles sont top. Alors, elles sont pas vraiment chères à l'unité. À Rougier, je crois que je les avais achetées à peine 2 euros le demi-godet, je crois. Donc franchement, c'est grave abordable. En plus, si vous les prenez à l'unité, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Et le tour est joué, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien prendre la rose. Et je crois qu'il y a une bleue, mais je suis pas sûre. Et il y a une jaune. J'avais pas pris la jaune la dernière fois, mais je me laisserai tenter. Donc voilà. Ensuite, une nouvelle palette que j'ai acquérie il y a peu. Je vous tournerai la vidéo de mes achats. J'ai acheté chez Craftelier. C'est la Prima Marketing Vintage Pastel.
Donc le nuancier est là. Donc ouais, la lumière fait pas forcément honneur aux couleurs parce que c'est un peu jauni. Mais les couleurs sont vraiment très belles. Je vous ferai la vidéo très bientôt. Donc il y a... Ah, ils sont barrés. ils se font la malle, les coquins. Hop. Voilà. Donc c'est des couleurs pastel. Je l'ai acheté aux alentours de 20, 20 d'euros sur Craftelier. Je vous mettrai le lien du site internet en barre d'infos. Elles sont vraiment très belles. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester dans un colo, mais ça ne serait tardé. Alors on m'a dit qu'elles vieillissaient mal. Dans le sens où je crois que c'est coupé à la gouache, hein, ces aquarelles-là. C'est pas forcément de l'aquarelle fine. Moi, peu m'importe parce que j'aime beaucoup la couleur et la texture. Elle est vraiment pas mal. On m'a dit qu'elle vieillissait mal dans le sens où ça faisait comme des petits grumeaux. Donc on verra avec le temps ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux que vous conseiller par les couleurs. Mais si c'est vrai que ça vieillit mal, c'est à voir. Donc bah, on verra dans le temps comment ça fait. Et puis voilà, je préfère pour l'instant me baser juste sur cette palette là. Si je vois qu'au bout d'un moment j'ai toujours pas de soucis, je pense que je me prendrai d'autres teintes parce qu'il y a vraiment d'autres palettes qui sont vraiment hyper belles sur le site. Donc voilà pour ça. Et maintenant on va passer du coup aux couleurs classiques. Donc moi j'ai la grande palette Aquarelle Cotman de Winsor & Newton. Elle est un peu compliquée à ouvrir. Voilà. Hop. Donc il y a tout ça comme teinte. Donc là on a le nuancier. Donc moi c'est vraiment une palette que je vous conseille si vous commencez à faire de l'aquarelle. Elle est archi complète. Il y a de tout. Vous avez du jaune, orangé. Il n'y a pas un rouge vif vif, mais il y a quand même celui-ci. Mais après voilà, il y a du mauve, du bleu, du vert. Du brun, du gris et du noir. Donc vraiment, elle est hyper top. En plus, généralement sur Amazon, ils font souvent des promotions sur cette palette qui vaut de base 75 euros, je crois. Et parfois, elle descend aux alentours de 40-50 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est pas de l'aquarelle fine, on est sur du Cotman. Donc c'est, je crois que c'est un peu moins haut de gamme que de l'aquarelle fine. Mais franchement, top. Moi j'adore, je vous la conseille vraiment. Donc voilà avec ça. Moi je fais plein de colos avec et elle est trop chouette. Ensuite, une vieille palette que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs, la Sennelier. Donc, ça c'est une palette très vieille. J'ai pas mal de Godevide en fait. Donc, le nuancier est là. Donc, c'est l'aquarelle de chez Sennelier que j'ai eu il y a. Il y a peut-être... quel âge j'ai? J'ai 25. J'ai 25 ans, je l'ai eu à mes 18 ans. Voilà. Donc, j'ai fait énormément d'aquarelles sur papier directement avec. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo vlog où je vous montre un petit peu mes dessins, etc. que j'ai pu faire. Je vous la mettrai en petit, d'ailleurs. Et franchement, c'est une aquarelle qui est top. Alors, la palette est dégueulasse, effectivement. Puisque j'ai du mal à nettoyer après mes mélanges. En fait, je me dis, sait-on jamais si j'ai envie de reprendre la couleur et tout. Au moins, elle est là, je pourrais humidifier et tout. Mais en fait, je ne le fais jamais. Mais sinon, une couleur que je peux grave vous conseiller dans cette palette, c'est ce vert-là. C'est un vert que je n'ai dans aucune de mes autres palettes. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai pas les noms. Je pense que c'est un vert forêt ou un vert sapin. Et ce vert est vraiment tip top. Donc voilà, et sinon bah, je vous la conseille aussi, si je la trouve sur Amazon, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais comme ça fait très longtemps que je l'ai, je ne sais pas si elle existe encore, je pense que oui. Mais voilà, donc c'est grave cool, c'est qu'il y a un petit élastique pour mettre ici quand on veut peindre, etc. Donc voilà, elle est bien aussi celle-ci, je l'aime beaucoup, je l'utilise de temps en temps maintenant, un peu moins parce que j'ai pas mal de couleurs que Bayan a pu. Donc voilà. Et sinon, j'ai cette palette-là de Winsor & Newton. Cette fois-ci en tube. Donc ce sont des tubes d'aquarelle professionnelles. Donc elles sont un peu plus haut de gamme en fait que celles-ci. Ces tubes-là, je les ai eus quand j'avais 20 ans. Ouais, il y a 5 ans, j'ai eu mes 20 ans par ma cousine.
Alors, j'utilise pas trop souvent parce que du coup, moi, j'ai pas de petit récipient pour remplir. Donc, c'est un peu chiant. Je laisse sur le côté et puis je viens réhumidifier au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de vraiment gâcher le contenu. Donc, le temps que j'ai pas les petits godets, j'utilise pas trop. Mais elle est vraiment très très bien. Donc, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 couleurs. J'ai pas le nuancier sur moi, j'avoue, j'ai jamais fait le nuancier de cela parce que en fait les couleurs sont vraiment assez ressemblantes. Mais ça va du bleu au vert, j'ai un marron terre brûlée, un terre de sienne, j'ai un rouge, après j'ai les couleurs primaires, il y a un noir, un blanc. Et voilà. Elle est très bien. Après, c'est vrai qu'on est limité en couleurs. Moi, je faisais beaucoup de mélange avec celle-ci. Ça prête vraiment au mélange parce que du coup, bah, elle est liquide, enfin liquide, elle est pâteuse à l'intérieur. Donc, je trouvais que le mélange se faisait plus facilement et voilà. Du coup, j'utilisais pas mal pour ça, mais c'est vrai que là, pour les colos, je n'utilise pas trop. Voilà, et bah, j'ai fait le tour. C'est tout pour mes aquarelles, donc on va passer au colo. Ok, donc au niveau des colos, alors je vais vous montrer un peu avec les livres que j'ai sélectionnés. Moi je mélange pas mal mes aquarelles, donc j'ai pas un colo avec un type d'aquarelle. Ouais, un type d'aquarelle. Donc voilà. Donc dans le Lulu Maillot, j'avais fait, d'ailleurs je vous ai fait en vidéo après plus tard, celui-ci. Donc le fond est fait avec l'aquarelle Winsor & Newton et l'aquarelle nacrée de chez Action. Et on peut voir qu'elle brille vachement. Donc vous voyez, on va dire qu'elle a rien à envier à la Paul Rubens, je trouve. Du moins pour cette utilisation-là. Donc j'avais fait ça. Donc sur ce papier, ça passe très bien en plus. Ça n'a pas du tout transpercé ni quoi. Une caisse. Bref, ça n'a pas transpercé quoi. Donc voilà. Ensuite, dans le Mythomarfia, je me rappelle que j'avais fait. Tac, tac, tac. C'est pas celui-ci que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer celui-ci, le faune. Tout le fond en fait est fait à l'aquarelle Winsor & Newton. Et j'ai refait en fait le tuto de Julie Nueva sur le fond forêt avec les troncs d'arbres pareil à la Winsor & Newton, donc la Cotman, donc celle-ci. Donc vous voyez qu'on peut vraiment faire des effets sympas. Comme c'est de l'aquarelle, on peut vraiment jouer avec l'eau. Donc jouer avec la transparence, c'est-à-dire que plus c'est vers le fond, plus mon arbre est transparent et donc plus je vais le diluer. Et donc c'est ce que j'avais fait avec l'aquarelle. On peut faire voilà quelque chose d'assez flouté également pour juste apercevoir la silhouette de l'arbre, mais sans pour cela que ce soit pétant en premier plan, quoi, contrairement à cela. Donc on peut vraiment jouer comme ça avec l'aquarelle. C'est ça que j'aime bien faire en fait. Et pareil, hein. Donc moi j'ai la version marabout qui est vraiment pas ouf. Il faut y aller doucement. C'est-à-dire que vous mettez une première couche, il faut vraiment attendre que ça sèche vraiment avant de pouvoir ensuite retravailler si vous en avez envie. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on fait des trous ou que ça transperce. Donc, il faut vraiment se forcer un peu à attendre. Et ça le fait, hein. Franchement, ça le fait. Là-dedans, j'en avais peut-être fait d'autres. Donc, ça, c'est du néocolore. Voilà, j'avais fait le fond ici. Donc, en faisant des mélanges de couleurs. On peut vraiment faire des choses sympas, comme des petites taches. L'aquarelle, sachez que l'aquarelle, c'est quelque chose qui, pour moi, dans un colo, ramène de la texture. Donc les traces, c'est normal qu'elles soient là, et c'est ce qui fait en fait l'aquarelle. Sinon, dans ces cas-là, autant tout faire au crayon, vous voyez. Moi, je trouve que le fait d'apporter des traces, ça donne vraiment du cachet au colo. Et là, on voit, hein, c'est pas du tout net, hein. Mais moi, j'aime bien, j'adore. Donc voilà, après c'est. Non, après j'avais pas utilisé. Alors pour vous montrer, j'ai fait tout un colo à l'aquarelle. Dans le Cute and Creepy, il faudrait que j'y retourne. Voilà, j'ai fait celui-ci tout à l'aquarelle. Le fond, le poney, vraiment tout sauf les bulles d'eau. Et donc vous voyez qu'on peut vraiment faire des choses sympas, par exemple avec les cheveux. Moi bon, j'avais mis de l'encre blanche par-dessus. Mais voilà, avec des petites taches, j'ai mis également de l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens, si je me souviens bien.
Donc vous voyez, par rapport à celle d'adoption, c'est pareil. Et voilà. Donc tout à l'aquarelle, vous voyez qu'il y a des traces. Mais moi, j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment de la texture. Et bah, je trouve que ça fait sympa. C'est un autre style de colo, en fait. Donc voilà. Ensuite, dans le Harry Potter, j'en avais fait vraiment pas mal avec de l'aquarelle. Donc, dans un premier temps, il y a la fameuse quadruple page. Et dans ce colo-là, bah en fait, j'ai utilisé le fameux gris chaud de ces sénoliers pour tout le sol, en fait. Tout le sol est fait avec le gris chaud. Et je suis juste venue ombrer avec les Derwent Drawings, si je me souviens bien, sur les contours. Et sinon, vous voyez, c'est la couleur du gris chaud. Et franchement, il est top, top, top. Ce pad d'aquarelle est vraiment génial. Ça donne un effet naturel. Et on peut venir travailler dessus facilement, quoi. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment des choses sympas avec cette couleur-là. Je vous la conseille. Surtout pour tout ce qui est tout ce qui va être brique, en fait. Brique, on va dire un peu fond, un fond aussi un peu neutre. Enfin, je trouve que ça fait hyper sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'avais sélectionné? Celui-ci. Donc, c'est avec le vert de... Ça, je m'en souviens parce que j'avais pas encore la Cotman et j'avais pas encore d'autres aquarelles en fait, à part ma Winsor et Newton en tube et celle-ci. Et donc je l'ai fait avec ce vert-là. Hop, celui-ci. C'est un vert de mai, je pense. Et vous voyez toutes les traces? Bah, je trouve que ça fait sympa. Ça fait sympa comme tout. Donc voilà. J'avais fait quoi d'autre? Ah oui, le fameux vert dont je vous disais de chez Sennelier. Donc c'est un encours que j'ai depuis je ne sais combien de temps. Là je vous avoue que je n'aurai pas le temps de la reprendre, mais j'espère que d'ici la fin de l'année je pourrai m'y remettre. Et donc c'est ce fameux vert-là en fait, qui est vraiment trop beau. Donc en fait, là l'idée, j'ai utilisé qu'une seule couleur. C'était vraiment de concentrer mon pinceau avec énormément de pigments à quelques coins. Et ensuite de venir diluer en faisant des traces pour donner un côté un peu vintage, tapisserie, même marbré peut-être un peu. Et vous voyez juste avec une seule couleur ce qu'on peut faire. Donc voilà. Voilà pour celle-ci. Et j'en avais pris un autre, voilà, ici. Ici, j'avais tout fait avec la Winsor et Newton en tube. Ici pour tout ce qui est gris et les fleurs, je les avais fait avec la Paul Rubens nacrée, tout ce qui est en doré en fait. Donc on voit que en fait elle est pas du tout opaque, c'est vraiment pour toucher n'importe quoi, apporter des touches de brillant en fait. Vous voyez, parce qu'elle est vraiment transparente, hein. J'ai rien mis en dessous et c'est juste pour apporter du brillant. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Dans le Nice It Town, j'en ai vraiment fait pas mal aussi avec de l'aquarelle. Et pourtant, c'est un papier Amazon. Alors, attendez, je vais me débarrasser de ça. Hop. Donc c'est un papier Amazon, mais j'ai fait de l'aquarelle dedans et je peux vous dire que ça passe. Bon bah déjà ici, il y a le ciel, hein. C'est la Cotman. Ici, j'avais fait tout le fond. Violet avec la sennelier. Donc j'avais fait des mélanges. J'avais fait des mélanges pour obtenir ces violets-là. Et on voit bien, j'ai essayé de faire une petite transition, mais vous voyez, ça rend pas mal, hein. Et donc, bah, le papier, nickel. Alors au début, il gondole, hein, effectivement, mais après, avec le temps, il s'aplatit bien. Donc encore une fois, vous faites une première couche, bien attendre que ça sèche. Puis on repasse, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au résultat que l'on souhaite. Ça évite de faire des trous. Donc voilà, j'avais fait celui-ci. J'en avais sélectionné un autre. Voilà, celui-ci. Celui-ci, j'avais fait avec la Winsor & Newton en tube. Et j'avais mis de la Paul Rubens ou de la Action en acrée. Je ne me rappelle plus très bien. Mais vous voyez, ça brille un peu. Je crois que c'était de la Paul Rubens. Donc, vous voyez? Et je crois que j'en avais remis aussi un peu sur les éléments
pour apporter de la brillance. Donc pareil, vous voyez, sur des petits éléments, on peut mettre de l'aquarelle nacrée. Comme c'est petit, ça va être vachement concentré en pigments, donc ce sera presque opaque. Et du coup, on aura vraiment un effet hyper brillant, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Hop. D'ailleurs, celui-ci, c'est un colis que j'aime beaucoup. Ensuite, il me reste deux colos à vous présenter. Donc, dans le Sorcière d'Anna Carson, un colo que j'avais fait en duo avec Clio Colo. Voilà, celui-ci. Et tout le fond est fait avec la Winsor & Newton Coatman. J'avais mis quand même trois couches de couleurs. Parce qu'en fait, ce papier-là boit pas mal le pigment. Donc, j'avais vraiment attendu que ça sèche vraiment très bien pour rajouter plusieurs couches après. Donc, j'avais fait un dégradé du noir au violet au mauve avec un peu de rose. Et vous voyez, il y a plein de traces. J'ai fait exprès parce que je voulais vraiment donner un effet galaxie, entre guillemets. Et je suis contente du résultat. Donc, voilà pour celui-ci. Je travaille avec ma pochette coupée n'importe comment. Hop. Et enfin, le dernier, c'est pour vous illustrer l'utilisation du crépuscule. Et c'est ce colo-là, avec le fond à l'aquarelle vert crépuscule de chez Van Gogh. Une seule couleur. Et donc là, ce qui est intéressant de retenir, je pense, sur ce colo-là, c'est que j'ai essayé de faire des effets. Donc avec une seule et même couleur, vous pouvez faire par exemple des lignes comme ça, avec un peu plus de pigment, et moins là, en fond. Et ça vous fait vraiment... comme si il y avait de la texture, comme si là par exemple moi je voulais représenter un mur de pierre un peu magique entre guillemets quoi, un peu sombre et mystique, et du coup voilà, je me suis appuyée sur ça, j'ai fait des petits mouvements un petit peu comme ça, et je trouve ça trop joli. Faudrait que j'essaye le violet et vraiment on peut faire des choses sympas. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est de mes aquarelles, de mes colos que j'ai fait avec. J'espère avoir pu vous donner des idées, peut-être vous avoir fait envie de quelques aquarelles, je sais pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!